Autre star dans l'actualité aujourd'hui, un écrivain culte était de passage à Lille hier après-midi. James Ellroy, l'auteur de nombre de polars best-sellers dans le monde, était au Furet du Nord à Lille pour évoquer son dernier livre, La Malédiction Hilliker. Traduit dans de nombreuses langues, souvent adapté au cinéma, James Ellroy est l'un des maîtres du roman noir policier. Le Dahlia Noir, LA Confidential ou American Tabloid sont des livres cultes pour toute une génération de lecteurs. Et hier, James Ellroy a honoré ses fans venus très nombreux pour obtenir l'autographe ou une dédicace. Je vous propose d'en écouter quelques-uns, très heureux visiblement d'avoir rencontré leur idole. C'est très agréable de le voir en vrai et il est très agréable voilà, à entendre avec son public. C'est vraiment super, c'est un très bon moment que j'ai passé. Voilà. C'est un grand honneur parce que j'ai déjà lu tous ses bouquins. Donc pour moi, c'est une mémoire vivante, c'est comme un héros, si vous voulez. Il écrit super bien, il est super dans la réalité. Et ses livres sont d'un réel, d'un noir qu'on aime tous. On a tous une noirceur entre nous. Je suis vraiment impressionné d'avoir vu un gars comme ça, quoi. Je pense que j'avais vu José Giovanni, le réalisateur français, il y a une vingtaine d'années, ça m'avait fait la même impression. C'est des personnages très forts.